La Clémence de Soliman, de Pierre-Alexandre Monsigny, s'inscrit dans les idées dominantes de la seconde moitié du XVIIIe siècle. La philosophie des Lumières en France, l'Aufklärung en Allemagne. La tolérance, la liberté sont opposées à l'obscurantisme et à la tyrannie des despotes. La franc-maçonnerie sera le fer de lance de ce nouvel humanisme. Mais il est dangereux de le prôner au grand jour. La police veille. La mode de l'Orient, des Turqueries depuis Molière, permet, par le biais de l'exotisme, de déjouer la censure. Le potentat oriental, qui est toujours cruel, fourbe, tyrannique, retenant en esclavage des prisonniers, se révèle magnanime, ami de la vérité, en un mot, un despote éclairé. La Clémence de Soliman de Monsigny en est le parfait exemple. Créée à Paris en 1780 avec un très grand succès, cet opéra comique enchante l'Europe. Donné à Vienne dans une traduction de Charles Schnör sous le titre « Der große Bassa-Selim » par la troupe de Böhm, celle-là même qui créera l'enlèvement au sérail de Mozart. La Clémence de Soliman va permettre à Mozart d'écrire son premier opéra en allemand. Ce premier chef-d'œuvre doit beaucoup à la musique française. C'est ce que notera avec perspicacité le comte Karl Zinzendorf, grand admirateur du jeune prodige Mozart, dans son journal. Ce soir au théâtre, l'enlèvement au sérail de Mozart. La musique est un ramassis de notes volées. Non seulement Monsigny a inspiré Mozart, mais aussi d'autres compositeurs après lui.